L'avion qui s'est écrasé dimanche en Papouasie avec 54 personnes à bord ne transportait pas que des passagers. 6,5 milliards de roupies se trouvaient également dans l'appareil, en liquide, dans des sacs. La somme équivaut à 420 000 euros et devait être distribuée à des familles nécessiteuses de cette province indonésienne. L'ATR-42 de la compagnie Trigana Air a disparu des écrans radars dimanche, quelques minutes après son décollage. De mauvaises conditions météo empêchent les secouristes d'atteindre la zone montagneuse où des débris de l'appareil ont été repérés. Impossible de savoir s'il y a le moindre survivant parmi les 54 passagers. L'attente est évidemment insupportable pour les familles. Il s'agit de la troisième catastrophe aérienne en moins d'un an en Indonésie, un pays dont le bilan en matière de sécurité aéronautique est loin d'être bon.